les amis, aujourd'hui petite recette rafraîchissante on va dire, parce que il va faire beau, il fait beau même maintenant on peut le dire, l'été approche à grands pas, et je suis un grand amateur de morue. On va se faire une petite morue assaisonnée tout simplissimo pour bien commencer un repas. Voilà. Donc, pour réaliser la recette, il va me falloir, là je suis sur 300 g de morue. Donc bien entendu, j'ai fait des salés, j'ai juste plongé dans l'eau bouillante, je l'ai sorti 2 minutes après, effiloché une fois que c'est froid. Il me faut de l'ail, un piment pour envoyer du peps, du jus de citron, de l'oignon rouge, du persil, du sel, du poivre et une excellente huile d'olive pour parfumer le tout. Donc vous avez compris ce qu'il faut faire. Sur ma morue effilochée, bien on va mettre nos condiments. Hein. On va commencer, pourquoi pas, par l'ail. Très pratique cette petite râpe là. Trouvez ça en grande surface. Ça coûte 1,50€ ou 2€. Allez, 2€. Ça évite le couteau, la planche. Vous avez la pâte d'ail aussi. Faudrait que je m'y remette à faire ça, ouais. Là, bien aillé. Ensuite, on va mettre le persil. Un petit peu d'oignon rouge. Vous pouvez mettre de l'oignon nouveau, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de réaliser comme je fais. Le jus de citron. Je vais commencer par 3 cuillères à soupe, la fleur de sel, je préférais revenir, le poivre, râpé il y a 2 minutes, le petit piment, je vous rassure, c'est pas du feu. Un petit peu de piment. On va mélanger. Pareil. Faites la veille ou 2-3 heures avant que ça s'imprègne bien du goût. Ah mais je me disais, il me manque quelque chose. Ah oui. Ah, peut-être que je mette de l'huile d'olive. Ah. Oui, je vous disais, n'hésitez pas, faites-la la veille. Comme ça, pas de cuisine à faire pour faire l'entrée le lendemain. Là, je vais goûter. Nous sommes dans l'anis. On pourrait mettre quelques tomates cerises pour la couleur, ce serait sympa. Ouais. Là, le sel, ça va. Citron, l'huile d'olive, c'est merveilleux. Et bien voilà, les amis. Vous voyez, c'est pas compliqué de cuisiner parfois. Ouais, le piment, il est très bien. Et quand on amène ça à table, et bien vous me direz qu'est-ce que je mets comme un vin blanc avec. Enfin, qu'est-ce que je mets comme un vin. Qu'avez-vous, grand monde? Bertrand Marine Flore, mon conseiller. Un vin d'Estandon, vous connaissez maintenant l'Estandon, hein, c'est des vins IGP du Var, c'est une terre nouvelle. Il m'a dit que c'était minéral, que l'acidité allait contrebalancer cette recette. Voilà, c'est parfait, m'a-t-il dit, je veux bien le croire. Donc les amis, la petite morue fraîcheur d'entrée de plat, le petit vin blanc qui va avec, quoi de mieux, hein, avec des copains ou des amis, la famille, qui vous voulez. Régalez-vous, c'est tout ce que je peux vous dire. Et puis si, je peux vous dire aussi au plaisir. Merci encore, amitié. Allez, chat !